Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Yon l'autre fois encore, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité à Télévision Nationale d'Haïti. Mais développement journal là, Direction Générale Police Nationale d'Haïti présenté bilan enquête ak opération yo mené pendant 4 derniers jours sous dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse là. Selon directeur général PNH là, la police fait 3 nouveaux arrestations, li lancé 3 avis recherche et puis fouillé 13 cailles privées. Toujours dans le cadre d'opération si là, la police saisit 45 fusils, 14 pistolets avec une centaine de cartouches. Selon numéro 1 PNH, l'inspection générale, la police, là, tendait 45 policiers, il prend 3 mesures conservatoires et puis mettait 7 agents dans l'isolement. En côté. Depuis le dernier président de la Seconde Chère, il y a 3 nouvelles arrestations qui sont effectuées. Il s'agit de 2 policiers. Bonny Beauvoir, Clifton Hippolyte et un autre citoyen qui est Dominique Aubin. Nous avons demandé Mario contre Mario Antonio Palacios. Palacios, c'est un assaillant qui en fuite, le cavale. Nous avons demandé contre un certain Ascard Joseph Pierre. Ascard Joseph Pierre, c'est un ancien diplomate qui a un rôle pour lui recevoir à sa aéro, soit dans l'aéroport, soit dans le poste constaté. Donc, le plus dangereux qui a exécuté, qui a suivi commandité et opération ça, c'est le fameux Badio Joseph Félix que l'on a cherché. La police m'a dit, PNH m'a dit, collaboration toute la population pour nous capables le plus vite possible de mettre l'excès en backup. Mandat contre Joseph John Joel. Tout le monde connaît, nous avons annoncé déjà, au même titre que Rodolphe Badio, John Joel Joseph, c'est un auteur. C'est un participant, c'est un planificateur assassinat président Veilleur. Nous fouillons 13 résidences. Et l'important pour me citer là, c'est résidence, une résidence John Joel Joseph. 3 résidences Joseph Félix Badio. 1 résidence Rinaldo Corvin. Une entreprise qui appartenait à la famille Jean, on l'autre hôtel qui est le Maxime Boutique Hôtel, on l'autre domicile de John Joel Joseph qui est en 83, et on l'autre hôtel qui est le Villa Rose Pelrandi. Sous plan administratif, l'inspection générale a déjà réalisé 45 auditions. Il y a 23 mesures conservatoires qui ont pris à l'encontre le policier de 7 qui est placé en isolement. Nous gagnons des 7 policiers, nous gagnons Dimitri Roy, Bonnie Grégoire, Clifton Hippolyte, Jean-Charles Lely, Conrad Bastien, Fontus Renaud, Gentil Hubert. Et puis, une cérémonie hommage réalisée week-end passé en mémoire président Jovenel Moïse dans la délégation départementale l'Ouest. Plusieurs membres d'organisations politiques qui étaient proches du président Jovenel Moïse étaient présents dans l'occasion. Gary Bernadotte, délégué départemental de l'Ouest, salué travail, lui dit chef l'État a réalisé dans l'intérêt de la population. Il y a un extrait dans le micro, Falland Delphin. Je dis à nous-mêmes, nous perdons papa. Nous mettons quand ça nous taille, nous avons enterré papa. Et comme je dis, je crois dans la justice pays, j'espère que notre temps pas trop long. Nous avons besoin d'exactement ce qui est passé. Et parce que le peuple haïtien a besoin qu'on ait ce qui est passé. Veillez à nous inviter toute population. Chaque soir, nous sommes toujours là. Et nous faisons toujours les prêtres, les pasteurs, et gagner tout. Et je souhaite
et gen sot gon tout pour le qui vient là et gen un grand tout et gen monde qui joue domino, nous joue basic là, nous joue quatre, nous bretiter nous ensemble et parce que n'a qu'un bel conseil jusqu'à ce que il nous fait enterrement. Un bout dans déclaration délégué départemental l'Ouest la Gary Bernadotte qui tape réagi sous cérémonie hommage délégation départementale là t'est organisée dans mémoire président République là Jovenel Moïse. Là, au état-major PNH inauguré lundi 19 juillet 2021, yon nouveau local direction départementale Ouest 2 dans la commune Taba. Nouveau local ça vient confirmer une autre fois décision qui te prend pour diviser département l'Ouest là en DDO 1 et DDO 2. Initiative ça prend dans l'idée pour travailler dans la région métropolitaine Port-au-Prince pour travailler dans la région métropolitaine Port-au-Prince qui a fait plus bien. D'après directeur général à e-police nationale d'Haïti, Léon Charles. Numéro 1, PNH la dit, souhaitait joindre plus de collaboration dans le chaque policier. Avec policier, il y a une façon pour des institutions qui se protégent et servir la population qui a respecté. Directeur général de la police nationale, là, dans le micro, Milga Emilias et Hervé Pierre. Écoutez. Depuis 20 ans environ, le département de l'Ouest en général et la zone métropolitaine en particulier fait face à des problèmes de tous ordres qui nécessitent des solutions innovantes. L'explosion démographique avec comme corollaire la création de nouveaux quartiers et de nouveaux pôles économiques dans les grandes villes a augmenté de manière significative les responsabilités qui incombent en matière de sécurité au directeur départemental de l'Ouest, lequel n'est plus en mesure de s'acquitter de tous les devoirs de sa charge dans une juridiction aussi étendue. De plus, la lutte engagée contre les gangs armés lesquels sont disséminés en divers endroits de cette juridiction, a rendu nécessaire le découpage de la direction départementale de l'Ouest en deux juridictions distinctes avec le même niveau de responsabilité. Fort de cette logique opérationnelle et après avis du haut commandement, j'ai décidé de créer la direction départementale Ouest 2 qui disposera de toutes les structures administratives et techniques prévues pour les directions départementales de la police nationale d'Haïti. À commencer par ce bâtiment qui lui servira de siège. Le directeur départemental Ouest 2 aura pour compétence sur toute la partie nord du département de l'Ouest et rendra directement compte de son action dans la structure de la police nationale d'Haïti. Monsieur le directeur départemental, en vous remettant ce bâtiment, on vous a donné de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles en vue de rendre sa structure efficace. Actuel et viable. L'autre information dans le journal là, depuis environ 2 mois, le pays d'Haïti a fait face à problème gaz dans le pompio. Ça qui la cause, toujours un gros bouche l'ouvri entre chauffeur et pompio. Mais de sous ça, précaution augmentée dans quelques circuits. Association nationale propriétaire station service dit qu'il n'y a pas aucune responsabilité dans cette situation-là. D'après le président de la Pros, Marc-André Delifons, problème de sécurité et difficulté pour stocker gaz dans le pays, c'est à quelques parmi les raisons qui provoquent cette situation. Jocelyn Pierre et Michel Joseph pour détail. Problème gaz n'a pas sans conséquence sur la vie citoyenne dans le pays d'Haïti. Président Napros là, Marc-André Derifons, souligne plusieurs décisions l'État doit prendre pour capable résoudre le problème d'accès à produits pétroliers dans le pays. Toutefois, pas gagné. Des mesures qui prend et tout au fond, tout autour de l'approvisionnement à pays, c'est-à-dire bateau pour entrer et entrer à temps, et puis et dépôt n'est pas sécurisé pour que livraison soit faite en bonne et due forme, on a toujours joué une situation ça. Et actuellement, la situation, c'est que nous gagnons bateau et gasoline qui peut arriver. Bien que monsieur a annoncé un bateau. Et pour le coup de week-end, nous voulons si c'est vrai, parce que plusieurs fois ça arrive, des annonces qui sont faites et puis qui ne sont pas révélées, qui révèlent que ce n'est pas vrai. Et tout ça va dépendre, est-ce que même le bateau est arrivé, est-ce qu'il va débarquer même là. Marc-André Derifons encouragé pour gagner investissement privé qui fait dans le secteur pétrolier pour capable de construire plus de réservoirs de gaz dans plusieurs départements géographiques pays. Il faudrait que et gain investissement qui a consenti. Et bien, non seulement consenti investissement pour augmenter la capacité pays, mais il faut que des dépôts soient construits dans des zones stratégiques.
Et ça me dit pas des zones stratégiques. Et son pays, tout le temps que nous avons remarqué, et il y a une petite bouleverse politique, ok? Toujours il y a des tensions, il y a des populations, toujours il y a des revendications. Faut-il que, et côté dépôt soit allongé, il ne faut pas avoir un accès facile pour permettre que la distribution ne soit pas perturbée. Et au moins, même si tu as un problème dans la rue, mais dépôt ça y est, car recevoir bateau et commencer à charger le camion pour que le la rue est beaucoup plus. Et serein, il va continuer avec l'illusion. Président en approche la quoi, problème ça a duré trop longtemps. L'immandé autorité yo prend disposition pour permettre population à gagner accès à produits pétroliers yo. Nous avons seulement espéré, comme si que il y a des mesures qui prend pour permettre que commande fait à l'heure et puis pour compagnie aux jeunes gaziers permettre que nous distribuer à temps. Si un pile citoyen a des difficultés pour joindre gaz dans la pompe, ça peut empêcher dans toute la rue embager tout le monde, marchant à vendre galon gaz bien cher, ça qui représente un danger pour la population. Information nous a annoncé dans le grand titre responsable du ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle va poursuivre mardi 20 juillet 2021 avec examen officiel pour élèves 9e année fondamentale pour l'année académique 2020-2021. Une journée qui déroule sans trop de difficultés selon responsable. Mildred Milias et Maxo Joseph pour détail. Dans cette institution Vision Continentale avec l'école nationale République Brésil, responsable Sergio félicité ministère éducation nationale et formation professionnelle là pour bon déroulement et examen officiel yo. Yo souhaité candidat yo faire effort pour réussir épreuve yo malgré situation difficile. Depuis 8 heures, les surveillants étaient là, les élèves également et puis les examens sont arrivés à temps. Donc on a bien commencé. On a bien commencé et les enfants ne se plaignent pas. Donc tout le travail a bien déroulé pour nous gagner une journée qui réussit alors. Nous n'avons pas gagné rien pour nous plaindre parce que tout le monde a gagné fichu. Et c'est ça rempli une fois qu'on a des problèmes, leur responsable centre d'examen, le team on a vu que et là où tu dis la proposer, il pas ouais, tout le monde est venu, toute salle numérotée, tout le monde a passé normalement. En dépit de toute tristesse qui a gagné dans le pays, mais tout le monde a proposé. Yon candidat a montré satisfaction pour façon examen a été présenté. L'examen était très bien pour nous aujourd'hui parce que nous avons étudié et ça nous a étudié, nous avons joué dans la danse, c'est l'intelligence qui fait. Depuis nous étudier, nous travaillons pas grand que possible. Pas grand que possible. Tout ce que nous travaillons et étudier. C'est plus passé 180 000 candidats qui ont composé pour 9e année fondamentale. Pour journée lundi 19 juillet, candidats aussi bien épreuve communication française et sciences expérimentales. Pour mardi 20 juillet, c'est communication créole, sciences sociales et anglais. Notre information dans le journal là, cérémonie installation nouveau Premier ministre Ariel Henry. Déroulé mardi 20 juillet dans le local Primati sous bicentenaire en Port-au-Prince. Docteur Ariel Henry renouvelé volonté pour mener le pays à l'élection en 20 longtemps. Nouveau chef gouvernement promet pour continuer chita parler à tout secteur dans la vie nationale. Premier ministre Ariel Henry souligné gouvernement à prendre disposition pour faire lumière sur Zak assassinat président Jovenel Moïse. En écoute. Vous évitez d'une situation exceptionnelle caractérisée par l'absence du président de la République pour vous servir de bouclier. Une crise politique sans précédent dans l'histoire du pays, une insécurité galopante, une situation socio-économique morose et précaire, un processus électoral à poursuivre impérativement, et j'en passe. Tel est le sombre tableau du pays dont vous allez diriger le gouvernement, monsieur le Premier ministre. Y a-t-il des recettes pour vous aider ? Vous et les membres de votre gouvernement à relever de tels défis avec des enjeux aussi importants, difficiles à dire. Toutefois, ne peuvent-elles pas être trouvées à travers un dialogue franc et ouvert, impliquant toutes les composantes de la société, ou à travers un accord politique engageant toutes les forces vives de la nation. En tout état de cause, monsieur le Premier ministre, la satisfaction des besoins de la population, l'établissement d'un climat d'apaisement social et politique, la résorption du phénomène de l'insécurité,
la création des conditions nécessaires au développement du pays, sans oublier, bien entendu, la poursuite et l'aboutissement de l'enquête sur l'assassinat du président de la République en vue de la manifestation de la justice autour de cet acte de la paix au barbare. Nous ne pas mettre en tête, nous, n'a résolu tout problème pays à un petit bout de temps, nous gagnons devant nous. Mais, avec collaboration, tout démocrate, nous avons créé conditions pour réaliser bon genre élection dans le pays. Pour raison ça, il faut que nous rétablissions confiance, rétablissions l'autorité de l'État dans tous quatre coins du pays. Et puis, empêcher Zagolorayo continuer d'échapper petit peuple. Il est indispensable que les citoyennes et les citoyens fassent de nouveau confiance à notre système judiciaire. Il est également important de mener une lutte sans merci contre la corruption, la contrebande et les trafics illicites en tout genre et de revenir à un fonctionnement normal des institutions démocratiques. Mon gouvernement fera tout ce qui est possible pour créer un environnement favorable pour une reprise de l'économie et pour attirer des investissements dans le pays, créer des emplois et garantir des perspectives d'avenir pour notre jeunesse. Nous étions chapeaux, nous. Nous baissons-nous bien bas devant tout le monde, femmes ou garçons, qui victimes en bas zag violencieux. En pile monde mourit. Il y a un qui est blessé. Il y a un qui a tout bien. Il y a un pillé combien sur. Machine yo boule. Il y a un pile monde s'est obligé de quitter côté à vivre là avec toute tête sagée que ça la cause. L'une de mes tâches prioritaires sera de redonner à la population l'assurance que nous mettons tout en œuvre pour rétablir l'ordre et la sécurité. C'est l'un des dossiers principaux auxquels le président de la République voulait que je m'attaque. Car il avait bien compris que c'était un passage obligé si nous voulions réussir son autre sujet de préoccupation, qui est l'organisation d'élections crédibles, honnêtes, transparentes et inclusives. Publiquement et solennellement, je m'engage aujourd'hui à m'acquitter de cette noble mission. De concert avec les forces de l'ordre sur le terrain, nous allons nous atteler à créer un environnement sécuritaire, fiable et stable en vue de faciliter la reprise des activités politiques en toute sérénité à travers le pays et de favoriser une participation massive, la plus élevée possible, des citoyennes et des citoyens en âge de voter. Plusieurs dossiers brûlants sont en souffrance et attendent votre expertise. Il n'y aura pas de période d'observation. Le travail commence dès la fin de cette cérémonie. Bonne besogne pour le pays, pour la patrie, marchons unis. Nous autres côté, il y en a après l'autre déclaration Premier ministre sortant, Claude Joseph et Premier ministre Ariel Henry, dans l'occasion installation nouveau gouvernement. Jeudi 22 à vendredi 23 juillet 2021, c'est deux jours fériés et chômés. Dans ce sens, administration publique, commerce, industrie et l'école, pas de travail pendant deux jours. Mais si ça prend l'occasion enterrement national, président Jovenel Moïse, qui a déroulé vendredi 23 juillet 2021, dans la ville Cap-Haïtien, disposition ça adopté dans un arrêté qui publié lundi 19 juillet 2021. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de vous abonner avec la chaîne là. Et toujours songez pour activer la petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.